C'est la Célésar. Salam, ça, vous allez bien? Ouais, c'était une entrée de joueur foot professionnel. Tu connais ici? Écoute, j'en ai déjà entendu parler. C'est le stade de la Mulatière. Voilà, on a mis les moyens pour notre commune. Ça fait super plaisir, quoi. On doit dire bonjour à tout le monde ou pas? Ou on doit faire les Parisiens? Ça, c'est les Parisiens. Ils disent bonjour à personne. Comment on reconnaît les Parisiens? Ils disent pas bonjour. Et quand tu leur dis bonjour, ils sont choqués. Ils disent, oh, mais je pensais pas que t'étais comme ça. Comment? Je dis bonjour. Je vise personne, mais il y en a qui sont quand même venus à 7h du matin parce qu'ils ont vu que sur le programme. Merci, écrit quoi? 8h30, petit déjeuner avec les légendes du Paris Saint-Germain. T'es venu à quelle heure? 7h45, j'étais devant le stade. Oh, Riyad, vraiment, attendez, non, attends là, faut dire les vraies choses. Ah, t'as vu lui là? Il sélectionne ses événements. C'était Skyrock, c'était. Voilà, j'étais pas là. C'était pas assez bien j'étais pour lui. Pas là hier, j'étais et pas là. Et là, Parc des Princes, il vient. J'étais pas là hier, j'étais à Londres. Tu faisais quoi? Ah, tu connais hein. Il était pas à Londres, c'est pas vrai. Voilà, j'étais à Londres. Vous savez, il a fait quoi? Il m'a dit il y a pas longtemps, en gros, il enregistre des stories dans des pays. Et quand tu veux pas aller dans certains événements, c'est lui qui fait ça. Il les met en direct. Il les met en direct, comme ça, il a une excuse pour pas venir dans des événements. Vous l'avez vu la story qu'il a fait dans, en mode, il était en prison là, à Cannes là? Tout était faux. Tout était faux. Il a bien mangé au restaurant, il a caché l'assiette en dessous, il a snappé les pattes. Ouais. Ouais, moi je dis la vérité, Fares. Excuse-moi, je peux juste le défier? Attends, vas-y, c'est quoi les règles? Un contre un? Vas-y, t'as plus toi. Pas sur les appuis. C'est les mecs. Bon, bah, j'ai gagné, les gars. Est-ce que tu crois que j'ai vers toi? Non. Parce qu'on est dans la même équipe. Tu mens. Je te jure, t'es dans l'équipe combien? Je sais pas. Regarde ta carte. Dans l'autre sens. Équipe numéro 10. C'est carré. Voilà, je vous présente mon premier coéquipier. Bah non, il y a lui aussi. Ah, mais nous, on est venus ensemble, c'est ça, on est ensemble. Ok, bah, c'est bon, non. C'est une suite logique. Qu'est-ce que tu penses au niveau de la performance et tout ça? Tu penses qu'on peut aller loin ou pas? Bah maintenant que c'est l'information qu'on est ensemble, ouais. Je pense qu'on peut aller loin. Ouais. Là, honnêtement, je me voyais sortir à midi, 13h. Ok. Pas les passes de poule. Non, voilà, tu vois, on a un phénomène du football. Je pense que ça peut bien se passer aujourd'hui. Voilà, les gars. Donc là, on mise tout sur Boussif. Et normalement, ça se passera bien pour nous, les gars. Internationale française. Pour porter les couleurs du PSG et les couleurs de l'équipe de France dans son couloir, on va être bien accompagné pour travailler, même derrière, pour cette journée. Laure Boulot est avec nous. C'est le santé. C'est pas celle-là qu'il faut. C'est démoulé, les gars. Analyse. Voilà, c'est du moulé là, hein. Vers le tac, vers le tac. Attaque. Ça va pas ou quoi là? J'ai pas de tac, les gars. Tac. J'espère qu'on va vous affronter dans l'équipe 10. Ouais. On n'a pas peur. Ouais. Donc je pense que ça va bien se passer pour nous. Fair play. Tacle pas. Complètement taclé. Les gars. Oh. Guillaume, légende. Et direct, t'as peut-être raison. Non, non, c'est le chamac français. Moi je l'ai vu dans des matchs. Qui? Il était sans pitié. Hein. Ça sert à rien qu'aujourd'hui, quand je viens sur le Parc des Princes, tu me dis pas de tacle. Là, je suis pas d'accord. Là, qui l'a taclé, Fares. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi. Donc là, les gars, on est au Parc des Princes. Et ce qu'on est venu tester, c'est la sécurité du Parc des Princes. C'est parti, les gars. Let's go. Trop beau pour un mec de sécurité, j'aimerais ça moi. Est-ce que t'es venu faire ton travail ou t'es venu faire autre chose? Il a mis le petit truc en or et tout. Moi si je pense je vais faire quoi? Je te le dis, toi t'es le mec de la sécurité. Mais tu fais comme si t'avais rien vu. Je vais aller là-bas où il y a la balle. Je vais prendre la balle, je vais mettre une frappe sur le terrain. Ok. On a pas le droit d'aller sur le terrain et je vais faire genre je la récupère, mais en fait c'est pour tester le terrain et je mets une frappe dans ma cage. Et après je reviens là-bas. Vas-y, je t'ai pas laissé. Vas-y, il m'a pas vu les gars, on s'est arrangé. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va très bien, super. Là, vous avez un visuel de mon équipe, comme vous pouvez apercevoir. Ici, on a la capitaine. Et là, on a mon équipe. Voilà, on a Bousca Colombier qui est juste ici. Je pense qu'il va être plus être remplaçant que sur le terrain. Mais voilà, on va essayer de recycler quelque chose de propre.
C'est tout lui, là. Ouais, ouais, on le fout, ça va. Ça va. Ça va ou... En gros, si on fait un contre un, à la fin, tu me demandes un autographe. Moi, je te demande, mais tu me respectes. Et tu me demandes un crampon aussi. Et après le crampon, je signe ça. Ah ouais. Non, vraiment, non, ça va, on joue tranquillement. Ok. Aujourd'hui, actuellement, votre niveau. Bien, bien, bien. Champions League. Ok, impeccable. Non, après, c'est pas une compétition. Moi, je joue des fois vers chez moi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la sensation de jouer Champions League et tout ça? C'est top. C'est top, hein? Parce que moi, j'aurais pu finir pro, mais les croisés. Bien sûr, normal. C'est normal, bien sûr. Ah! Ce serait pas mon. Là, je suis dans les vestiaires des pros. Bien que tu n'es pas pro et que je ne le suis pas, mon ami. Mais on est quand même dans ces vestiaires-là. Donc là, je vais me mettre à leur place quand je vais poser mes petites fesses. On est bien. Franchement, on est bien. Ils ont un confort de. Tu sais, des fois, je me demandais, mais pourquoi quand ils perdent des gros matchs, dès qu'ils sont dans les vestiaires, ils s'en foutent rapidement? C'est parce que c'est trop confortable. Des 8h du match, hein. Mais jusqu'à ce soir. Ah ouais. Attends, là, vraiment, on a fait un tournage ensemble. Ouais. J'avais oublié que j'avais épuisé. Alors là, mes bebs, comme vous pouvez apercevoir, Yannick, oh, mon dieu, je ne me sens pas. Il faut qu'on garde notre énergie, notre enfant. Il n'y a pas de souci. Moi, juste, tu me dis pas changement et tout, et j'aurais plus d'énergie à fin d'heure. Mais si tu commences à me dire changement et tout ça, il y a peut-être que j'aurais un peu plus d'énergie sur des petits moments. Je rigole, c'est une boutade, bien évidemment. Je suis bout en train. Ouais, mais. I am the bout en train. I am the bout en train. Milieu, ça me va. Je vais jouer le milieu. Pour moi, je suis arrière gauche. Je suis arrière gauche. Arrière gauche, c'est mort. Pourquoi? Tu vas pas jouer du temps, moi. Pourquoi? Je suis arrière gauche. Oui, c'est vrai. J'ai l'oubli. C'est 3-3 et 3-2. C'est pour jouer. Pas mal, hein? C'est vraiment comme si je connaissais. Je savais. Yes. C'est pas possible, t'en as pas marre de l'attendre, ce mec. C'est trop, ce gars. Ouais, Farah, Inch'Allah. Il plie tout, il fait trop le drama. Il est appliqué. Tu comptes en être championne? C'est ça la tactique. Je suis en train d'essayer de faire la compo et je sais qu'il y en a, ils vont me casser la tête. Tu vois, c'est... Après, c'est les choix du coach. Tu vas avoir des c'est, problèmes. C'est les choix du coach. Est-ce qu'on peut... Hein, on peut pas compter, c'est les choix du coach. Est-ce que vous êtes du genre à respecter votre entraîneur? Pareil, t'as pas l'air trop... Non, j'ai senti... C'est un peu genre le mec que tu vas avoir du mal à gérer, ouais. Tu vois. Ouais. Tu sens, il va bouder, il va lancer ses crampons. Bon, on me gère pas, bon. Neymar. Non, vraiment, non, je boude pas et tout. Mais je suis arrière droit. Arrière droit. Ouais. On peut y aller. C'est de arrière gauche à arrière droit. Tu vas être déçu. Il a compris. Tu vas dire, mais viens arrière gauche. Moi, je peux me permettre de faire des blagues comme ça parce que je connais mon capitaine. Vraiment, comme si je connaissais. Toi, tu pouvais pas faire cette blague. Tu ne connaissais pas son poste. On va être dans. Bonjour tout le monde! Préparez-vous parce que là, bonjour. J'ai une équipe de. L'équipe numéro 10, retenez bien ça! Nous allons gagner! Notre capitaine! Bonjour! Ah ouais, ouais! Calez-vous les gars! Parfait, parfait! Allez, une équipe, une équipe! Allez, une équipe! On est solide, on est soudés les gars! On est ensemble! Allez, allez, allez! Allez, les gars! Allez! 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 Ok! Allez! Parfait! Il va te fatiguer. Il est là. Avant le début du tournoi. On a une capitaine incroyable. Une équipe incroyable. La différence avec les autres, c'est qu'on dit notre capitaine. Vous allez écouter leur boulot. Vous allez être les premiers. Ils vont écouter leur résultat. T'as vu cette autorité? Quelle influence. Une autorité de ouf. Allez, on va même pique. Bien vécu. Ah, ça fait des mots, ça fait des schémas de jeu. Hein. Je vais essayer de prévoir les remplacements. Toi, t'es plutôt arrière. Là, ce là, les gars, je vous équipe de Sofitel. On commence en premier. Je suis arrière droit. J'espère que ça va bien se passer. Comme ça, on a la connexion. Vous sifflez moi arrière droit. Lui, il est droit. Et aujourd'hui, j'espère que ça va se passer incroyablement bien. Ne soyez pas surpris par notre niveau. Ne demandez pas d'autographe. C'est tout à fait inné. Allez,
Là les gars, on ressent que hier j'ai fait des efforts. Je me fatigue assez rapidement, mais je sens que sur les prochains matchs, je vais gagner en endurance. Là j'avais soif, on a joué simple, ça sert à rien de trop se donner sur des matchs qu'on a gagné en avance. Là on gagne 4-0, on sort, j'attends le prochain match. Moi, c'est quoi ma technique? C'est que je joue des matchs et quand je vois qu'on les gagne haut la main, et ben je sors. Comme ça ils vont se dire, ah Fares, il est fair play, il sort, il reste pas que sur le terrain. Quand il y aura des matchs bien intéressants, bah je pourrais rester. Parce que je suis sorti longtemps sur les autres matchs, c'est ma technique. Ouais, j'ai pas besoin de rejouer. Même si elle me dit re-rendre, je vais faire non, fais jouer les autres gens, altruiste. C'est pas vrai, manipulation. Voilà, c'est fini. Bien joué, Bouscar. Merci, mon gars. Ouais. Regarde, il est impliqué, il est scolaire. Il n'est pas scolaire dans sa vie, mais il est scolaire sur ça. C'est exactement ça. Et ça fait super plaisir. Bon, ben voilà les gars, on a gagné le premier match. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'équipe de Guillaume Warou? On a une très belle équipe. Hein. Bon, ça va trop vite. Du coup, là, on a gagné ce match. Mais je pense qu'il faut voir vers l'avenir. Cette victoire, c'est du passé. Et là, on va se concentrer sur ce qui va arriver. Comment physiquement là? Bah, super bien, 90 minutes de jour. Et là on va essayer de jouer tout le tournoi. En gros là il fait une technique pour dire regardez comment je suis fort malgré que j'ai pas de force. Voilà, c'est sans force. Ouais. Voilà, c'est le talent de Boussif quoi, ça fait super plaisir. Faut vous hydrater. Ouais. Tu as de l'eau? J'ai demandé de l'eau. Ok, magnifique. Les gars, c'est le match, je suis contre Riyad, il est où cet enfoiré? C'est bon, on peut commencer les gars, allez monsieur l'arbitre. Vous avez rien vu, Si, j'ai vu. Ah, vous avez rien vu, monsieur. Une grosse faute. Bon, j'espère qu'on va gagner. Oh, si on gagne, je vais être un trash talker à ce Riyad. Non, je cherche quelqu'un en particulier. C'est bizarre, Riyad, il a disparu quand je suis perdu. Où est-ce qu'il est? Ah, il fait beau, hein? Non, il a pas joué, il a toute sa forme. Il a toute son énergie. Moi, j'ai joué hier, mais on a gagné là quand même aussi. Après, comme disait le prof de PS, l'important c'est de participer. Voilà. Au moins, tu t'es bien dépensé, t'as transpiré, c'est l'essentiel. Faut pas aller chercher plus loin. Je sais pas si t'as vu, enfin, c'est le but qui a fait la différence. Hein. Mais le débordement frappe du gauche alors que je suis droitier. En pleine lucarne. Ah non. Si, j'ai marqué. Il a dit j'ai pas marqué. C'est du déni ça. T'as marqué quand? Enfin, attention, hein, y en a quand ils font du déni grossesse, ils voient pas qu'ils sont au centre. T'as marqué quand? T'as pas vu mon but. Il y a des sièges que j'ai toujours voulu tester ici, c'est ceux-là. C'est étant donné qu'on a gagné tous nos matchs. Après l'effort, on a réconfort bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Ils sont vraiment, voilà, s'il y a bien une personne qui mérite une augmentation dans cet endroit-là, c'est vraiment l'équipe de Soukris. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. T'as kiffé mon but? Merci, bah, ça fait super plaisir. Venant de toi, Ligue des Champions. Ouais, je pense qu'il est filmé. T'as kiffé ou pas? J'ai kiffé de ouf. Merci. Bah ça, c'est quand t'écoutes les conseils de personnes qui jouent en Champions League, tu vois. Faut rester humble, t'écoutes, ça rentre par une oreille. Je suis tellement fier de mes joueurs. Bah merci, ça fait super plaisir, merci. On a fait un grand pas vers la qualif. On les a éteints. Ça fait super. En fait, c'était l'équipe, vraiment les challengers. C'était... T'as vu c'est qui vient de me dire ça, frérot? Bah, c'est pas Georges Marchais et l'équipe de secouristes, elle m'a dit t'as fait un bon match. C'est une personne très qualifiée qui m'a dit ça.
T'as besoin de conseils pour le match ou quoi? T'es prêt, t'as s'il te plaît, tu peux t'asseoir dans la tribune. Non, vraiment, vous avez besoin de conseils ou quoi? Parce que nous, on sait. En gros, en fait, on connaît vos failles. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éviter de parler avec ceux qui sont perdus? Parce que... J'ai pas joué le dernier. Non, mais parce que voilà, ça, non, ça m'arrangerait. J'ai parce qu'en fait, il y en a qui disaient, je vais quitter l'événement à 15h30 parce que j'ai quelque chose à faire. Bah, j'ai pas joué. T'es libre bien avant. J'ai pas joué. T'es libre bien avant. Bah, y'a pas de soucis. Nous, on respecte Olacor Arena. C'est notre sponsor ici. Toi, tu peux pas respecter, rien. Déjà, prononce bien. Non, y'a pas de soucis. Allez, moi, je vais jouer, frérot. Prononce bien, allez. Juste zéro problème. Attends, tu viens de Lyon, non? Bien sûr. Attends, tu viens de Lyon? C'est la Chabrière. Attends, tu viens de Lyon? Ah, mais attends, est-ce que tu viens de Lyon? Je viens de à côté de Lyon, ouais. Ok, il était dans mon lycée. C'est vrai. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle? C'est que vu que t'as perdu, tu peux rentrer à Lyon. Allez, j'y vais, les gars, merci. Dur. Ah, c'est trop drôle, t'es ta Chabrière? Ouais, c'est la Chabrière. Il était dans mon lycée. Attendez, mais vous êtes jamais revu la nuit? Non, en gros, les fois on s'est vu, c'était au lycée. Okay. Donc il était géant, donc tu pouvais pas le rater. C'est horreur comme un géant, lui. Moi, il m'a pas calculé. Sinon, parce que, bah, j'étais combien l'arbitre? J'étais une personne. Hein? T'as payé combien l'arbitre? Ah, je crois qu'il a perdu, il est éliminé, c'est ça? Non, il a éliminé le pauvre. Non, non, je suis venu. Oh, le pauvre. Va vers l'équipe d'infirmerie, je crois qu'ils ont besoin de personnel. Et du coup, on était dans le même lycée. Et là, c'est la première fois qu'on se revoit depuis le lycée. C'est bon, hein? Et on est nous deux sur les réseaux. Tu poses quoi comme question déjà? N'importe quoi. C'est quoi la meilleure ville de France? C'est Lyon. Voilà, bien sûr. Ça quoi ça? 19. Ouais. 19. Bien. Ah, vous avez l'application Uber ou pas? Pour lui en prendre un pour qu'il rentre là. T'es un bâtard. Faut libérer l'espace rapidement parce qu'il va devoir y aller, donc je me mets son Insta là. Merci. Tac tac. Donc là, on va aller là-bas les gars. Merci, c'est un plaisir les gars. Bah, allez, Véro. La légende. Et ici. Franchement, vous avez quel âge, monsieur? 62. Et à 62 ans, vous avez ce niveau-là? Ouais. Moi, je pense qu'il faut recommencer le foot, là. Vous pouvez repartir sur une nouvelle carrière. Eh, c'est ça. Ça a commencé ici, hein. Ouais. Ça a commencé là. Pour vous, est-ce que votre plus beau but, c'est lequel pour vous? Il y en a trois ici. Non, mais je vous parle dans votre carrière incroyable. Et justement. Ah, il y en a trois ici? Combien de bicyclettes, c'est là? Dernière minute pour tenter le Vatou, essayer d'inscrire un but. Et une reprise. Et voilà, Amara Simba qui vient de rentrer et qui marque. La dernière bicyclette, c'est là. Ok. Et mon premier but en Ligue 1, qui est important, c'est là. Ça fait quoi comme sensation de vraiment, vous mettez votre premier but et vous voyez le stade se lever pour vous? Ça fait, même si tu avais joué 45 minutes, c'est comme si tu venais de commencer le match. Non, ça vous redonne cette sensation. Exactement. Incroyable. Et est-ce que vous avez des regrets dans le foot? On a toujours. C'est quoi votre plus grand regret, on va dire? Je me suis blessé quand j'étais sélectionné pour l'Euro. Okay. 92. Ouais. Donc je suis dans l'équipe de Platini. Ouais. Pour faire l'Euro. Et puis je vais à l'entraînement, je me blesse. À cause de quelqu'un ou à cause oui, de... Oui, à cause de quelqu'un. Oh là là, ça s'en fout. C'est un jeune qui voulait me marquer absolument. Ouais. Fais pas attention. Et c'était quoi comme type de blessure? C'est la malléole, fracture de la malléole. Ça t'empêche de jouer l'Euro. Incroyable. Voilà. Bah merci beaucoup. De rien. Merci, je vous aime. Ok. 8 minutes, on change le gardien. Pas tout de suite, moi. Hein. Non. Faire des vidéos. Ah, moi, je suis dans la création de contenu. Hein. Équipe adverse. Vous allez bien? Ouais. C'est une interview pour voir qu'est-ce que vous pensez de notre équipe. Vous êtes pas très bon. Ouais. On est très nul. Ok, d'accord, donc, du ça coup, marche. L'écart, ouais. Bah, il est important. Ok, j'en note. Très bien. Mais du coup, vous perdez des points. Oui, bah, comme toujours. Ah, ok, d'accord. Okay, mais en revanche, c'est mon Arsenal là. Non, voilà, les deux autres sont largement mieux. Ah ouais. Ouais, les vôtres sont largement mieux. J'aime bien ça. J'ai rien à faire. Blague à part. Bonne équipe. Merci, on vous aime. Bonne équipe. Merci. C'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Alonso quand même. Pour la maman. C'est pas mignon ça? Trop chou. T'es trop chou? Pour maman. Donc là on est avec Tuvok les gars en direct. Vos statistiques pour ton équipe frérot? Est-ce que vous avez tout gagné? Non, on a perdu un match. Ok. Et vous ça dit quoi? Bah nous on est en train de tout gagner là. C'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. T'as marqué? Moi tu peux me poser la question? T'es en défense. Non, tu peux me poser la question, il n'y a pas de... Vas-y, pose la question. T'as marqué? Attends, je fais comme si j'étais pas au courant, genre vas-y. Ouais, t'as marqué? Ah, c'est drôle que tu me poses la question, enfin je m'y attendais pas. Ouais, j'ai marqué, j'ai dribblé et tout ça, j'ai mis une frappe du gauche en pleine lucarne. Comme sans donner de détails. C'était hier, t'as marqué. Ouais, voilà, sans donner de détails. Skyrock, au Parc des Fraises. Ah, tu m'as vu hier jouer, j'étais... Ah, ok, ok. J'ai joué moi aussi, ça fait pas plaisir, du coup. J'étais dans ton mec. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le menu du jour qui a été concocté par le chef du Parc des Princes qui était chez Top Chef qui s'appelle Pierre Chaumet. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. On va goûter les galettes.
Elles ont pas le même goût que ce que j'ai goûté en galette de riz dans ma famille, on va dire. Mais c'est bon. Au moment où je vais prendre la photo, je rentre là, tu vois. Il y a une sauce, elle est acide. J'aime bien. Ça se rapproche de l'acidité du vinaigre balsamique qu'on ne peut pas manger. Quand je dis on, je parle de certaines personnes, hein. Alors que moi, je pense... Ils sont dans un flux constant d'immigration. Là, on va goûter ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est, désolé. Il y a du quinoa, ouais. De la pomme, de la grenade. C'est pas mal. Et là, on va goûter tomate, burrata et framboise. Pas mal. Ça va tranquille, hein, moi je sais même pas, j'ai les jambes lourdes là, ça va être dur la reprise. Donc là on a l'arbitre ici présent. Donc voilà, moi personnellement, de tout le tournoi, j'ai jamais vu un arbitre aussi beau que lui. Je suis pas un faillot, hein, mais j'ai rarement vu un arbitre aussi beau que vous. Je vous le dis là aujourd'hui, vous en faites ce que vous voulez. Si à un moment donné je suis dans la surface, je tombe et qu'il y a pénalty, c'est vous, vous avez choisi de faire ça, c'est pas à moi. Un mot avant le match. Ah bon, encore un. Merci beaucoup, c'est gentil. Là, il n'y a pas besoin de courage en vrai si on a l'arbitre. Bon arbitre. Merci. Les gars, costaud, hein. Merci. Allez, allez, Paris, allez, allez. Allez, pressing, Arthur, encore, 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 encore. Allez, pression, les gars, là. Je fais des BG. On gagne combien là, 4-0? Ouais, je crois au moins. On s'économise pour le prochain match. Sur l'économie. Là. 4-0. On sort. On attend le prochain match. On joue. Bien là, ma stratégie depuis le début. Tu sais, là, ils se disent oh putain, ah, mais ce mec il est trop altruiste. Il pense à tout le monde. Non, justement, je fais ça parce que je pense qu'à moi. Bonjour, hello. Nous sommes en finale. Voilà, déjà, première fois. On est en finale. J'ai plus de batterie. C'est leur boulot, elle aura fait un boulot. Hein. Moi, je te le dis, moi. FC boulot. Hein. J'attends juste une chose, c'est de gagner. Donc j'attends de toi que tu fasses des différences, aussi. Mais je veux aussi que tu fasses, que tu régales les autres. Ça, c'est ta mission de la finale. Passe décisive. C'est bon? Des passes décisives. On a trouvé notre gardien de but, Nico. Merci. Merci Nico. Merci Nico. Et il faut qu'on fasse un coup de bière. Non. Ça, c'est truc de pitié. Ça, c'est une journée. Nous, on reste dans ce qu'on est bon. D'accord. C'est on est bon dans le foot. Ok. Ça, c'est une journée. Tout ce qui est. Ok, c'est les rouges, bleu, blanc, rouge, vive la France. Ça, c'est une journée au boulot. Donc là, les gars, on va faire l'entrée des finalistes. La grande finale. L'entrée des deux équipes. Il ne fait pas du tout peur. Comme vous pouvez percevoir. La besace. La besace est présente. Et tu sais pourquoi? Bah, je pense, ça va. Bah, pour pouvoir amortir les chocs, tu vois. Allez les gars! On est dans son match là! C'est mon arbitre préféré! Ah, mon arbitre préféré! C'est vrai que l'année dernière, c'est volé. Donc cette année, je pense que j'attends un peu tout. C'est impossible de ne pas parler aux arbitres. Allez, c'est bon! Avant le match important. Daniel! Hey, les gars, allez, l'équipe de secours! Pas le temps.
Terrain numéro 2. Ils vont faire un cri de guerre, ils font des réunions, tout ce blabla pour perdre à la fin, ça va. Vous savez ce que c'est le plus important? Ça va être de garder l'organisation qu'on a depuis le début. On connaît nos 3-3, on sait où on doit se placer. On est juste un peu plus costaud que d'habitude, un peu moins croqueur, on essaie de faire tourner la balle. Je pense qu'on peut, si on est solide comme on avait fait depuis le début, ça va le faire les gars. Ouais. Et les meufs. On va rien nous donner les gars, faut aller la chercher, ok? Allez Fares, hein, tu restes dans ton match. Allez, hey, frappez de loin. Frappez. Ils sont comme nous, ils ont un gardien, c'est pas un gardien. Ouais. On part sur une deuxième mi-temps, 2-1 pour nous. Et on va voir ce que ça donne, hein. On va demander aux personnes qui ont joué contre nous une analyse de ce match. Qu'est-ce que tu penses, l'issue de ce match c'est quoi? Pour l'instant vous êtes au-dessus. Après ça peut vite changer, mais vous êtes au-dessus pour l'instant. Donc, okay. C'est quoi, si tu avais un conseil à nous donner là? Là, direct, pressing, mettre un troisième but. C'est nous, on a la balle. Mettre le troisième, comme ça, c'est pas tranquille. Ok, merci. Je prends note. Hop ! À deux. C'est clean ! Encore. Bien. Allez, faites-le. Bien joué. Plus d'âge. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce bordel là. Sorti. Bien joué. Oh, les gars. Bien joué, hein. Bien joué, poulet. Ouais. Bah, tu t'appelles comment toi? Boris Becker. Ah, okay. C'est pas mon nom, je joue pas à mon nom. Non, ouais, je pense que t'as pas encore fait assez de vues pour qu'il y ait ton t-shirt. Ah, c'est vrai, pas encore. Team Boulot, s'il vous plaît, on fait une photo. Sauf toi. Moi, je m'en fous, je sais pas tout ce qui est photo. Elle m'a dit de sortir. Genre, le premier. Le deuxième, le troisième, je joue pas du tout. Fares. Quatrième aussi. Fares, viens. Vous êtes tous là. Il y a Fares, il y a Fares. Yeah.
Ça fait super plaisir. Heureusement qu'on avait boulot avec nous. On a super le boulot. Je vous dis quoi? Tous ceux qui font des cris de guerre, ils peuvent pas gagner. C'est trop cringe. Faites dans du concret. Sur le terrain, tu cries. Ça fait plaisir. Foucaille, très bon supporter. C'est bien. Ça, c'est pom-pom girls. Ah, il y en a qui viennent pour jouer, il y en a qui viennent pour gagner, frérot. Hein. C'est ça la différence. Hein. Mais après, faut pas oublier qu'on est tous des frères. Ah oui, tous on est tous des créatures de Dieu. Exactement. Mais il y en a qui gagnent des tournois. On finit tous au même endroit. Mais on finit tous au même endroit, mais avant de finir à cet endroit, il y en a qui gagnent les tournois. Mais au final, on finit quand même au même endroit. Voilà, mais juste un peu avant, il y a une petite différence, c'est qu'il y en a qui remportent des tournois pour Parc des Princes. Oui. Mais sinon, on est tous des frères. Ouais, c'est des frères. On est tous les créatures de Dieu, on est tous des frères. Voilà. Mais il y en a qui remportent les tournois Parc des Princes. Voilà, on prie à la même heure. On prie à la même heure, mais. Je dirais le même endroit. Mais juste après la prière, on gagne les tournois. Voilà, c'est. Après, c'est pas une compétition, il y a pas de. Ah, c'est une compétition. Non, mais on reste des frères avant tout, hein, quand même. Je tiens à le préciser. Voilà, quoi, ça fait plaisir. Bravo les gars! Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe olympique, s'il vous plaît! Alors, vous savez ce que vous avez gagné? Comme les vainqueurs du trophée membre, vous avez gagné un resto tous ensemble en équipe dans un restaurant hall. Ça sera fait en équipe.